1860, Jigoro Kano commence à l'âge de 17 ans l'étude du jujitsu sous la direction de Fukuda Hachinosuke de l'école Tenjin Shinyo. Puis il évolue vers de nouvelles formes, mieux adaptées dans leurs objectifs et leurs méthodes d'entraînement aux besoins de l'ère nouvelle. En février 1882, dans un temple de la banlieue de Tokyo, Jigoro Kano ouvre sa propre école qu'il nomme Kodokan Judo. Le judo tel qu'il est pratiqué aujourd'hui de par le monde est en fait le judo du Kodokan. Le judo que le professeur Kano enseigna avec passion jusqu'à sa mort se propagea dans plus de 150 pays puis parvint au sommet de la reconnaissance internationale en accédant au statut de sport olympique. Les techniques de judo se répartissent en trois systèmes, Nagewaza, Katamewaza et Atemiwaza. Elles se pratiquent sous deux formes, le randori et le kata. Nagewaza, ou système de projection, se divise en Tachiwaza et Sutemiwaza. Pour chaque technique, nous allons vous montrer les bases et les applications, ainsi que les différences entre des mouvements qui semblent identiques. Seoi Nage. Il existe deux types de projection Seoi Nage. Morote Seoi Nage et Ippon Seoi Nage. Les mains sont positionnées différemment pour projeter le partenaire. Voici Morote Seoi Nage. Vous passez votre coude droit sous l'aisselle droite de votre partenaire. Vous agrippez un côté du revers de votre partenaire ainsi que sa manche. Voici Ippon Seoi Nage. Vous tenez et contrôlez un des bras de votre partenaire. Seoi Nage with your arm turned. En Ippon Seoi Nage, vous pouvez placer une de vos jambes en barrage devant la jambe de votre partenaire. Ippon Seoi Nage, exécuté avec une jambe en barrage. Cette projection est l'une des applications des Seoi Nage et non de Tai Otoshi. Ippon Seoi Nage. Vous projetez votre partenaire en le faisant pivoter sur votre dos. Voici Ippon Seoi Nage, exécuté en bloquant le bras droit de votre partenaire. Vous contrôlez son bras droit en le coinçant contre votre flanc. Voyons maintenant plusieurs variantes des Seoi Nage dans le cadre de différentes compétitions. Yosuke Yamamoto, champion du monde 1987 dans la catégorie Seoi Otoshi.
Seoi Otoshi est une technique de projection où vous plaquez votre partenaire sur votre dos, puis vous le faites basculer vers l'avant. Vous pouvez également effectuer cette projection avec un genou ou les deux genoux au sol. Seoi Otoshi appliqué d'après la position d'Ippon Seoi Nage. En Seoi Nage, vous devez d'abord soulever votre partenaire avant de le projeter. En Seoi Otoshi, vous le faites basculer directement en le tirant devant vous. Seoi Otoshi sur les deux genoux. Selon que votre partenaire soit en position d'être basculé plutôt que d'être soulevé, vous choisissez Seoi Otoshi plutôt que Seoi Nage. Voici Seoi Nage avec les deux genoux sur le sol. Nous le déterminons car après la descente sur les deux genoux, la projection est effectuée en relevant les hanches et en soulevant le centre de gravité de votre partenaire. Seoi Otoshi, appliqué par Yoshiyuki Matsuoka, catégorie moins de 65 kg aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Tai Otoshi. Il existe plusieurs façons d'exécuter Tai Otoshi en fonction des circonstances. Voici Tai Otoshi appliqué lorsque votre partenaire déplace sa jambe arrière. Dans ce Tai Otoshi, le partenaire a été projeté par une traction latérale. Dans certains cas, Tai Otoshi peut être appliqué en saisissant un côté du col de votre partenaire. Tai Otoshi en double action. On l'exécute en appliquant d'abord un léger crochet du pied sur le pied de votre partenaire dans le but de le déséquilibrer. Dans d'autres circonstances, vous pouvez croiser les bras de votre partenaire en appliquant la projection. En bloquant ainsi les bras de votre partenaire, il perd son sens de l'équilibre et se retrouve dans l'impossibilité de contrer. Hiromitsu Takano, vainqueur de la Coupe Kano, exécute ici un remarquable Tai Otoshi. Au championnat du monde de Séoul, Hitoshi Sugai projette le coréen Ahung-ju juste au moment du placement de garde. Kata Guruma est une technique où vous hissez votre adversaire sur vos épaules avant de le projeter. Comme vous pouvez le voir, la projection est généralement effectuée vers le côté. Avec Kata Guruma, après avoir soulevé votre partenaire, la projection peut être effectuée dans plusieurs directions. Dans ce cas, la projection est frontale. Cette technique apparaissait fréquemment dans les premières années du judo moderne. Dans ce Kata Guruma, le partenaire est soulevé puis projeté vers l'arrière. La direction de la projection peut varier, mais seul l'effet est reconnu, l'appellation reste identique. Ici, elle est exécutée avec un genou au sol, le principe restant similaire.
Cette forme fait également partie des kataguruma. Comme en morotegari, vous soulevez le partenaire en lui attrapant les deux jambes, puis vous le faites basculer derrière vous. Cette forme est rarement pratiquée aujourd'hui, mais elle était courante dans les anciennes écoles de jujitsu. Uki-otoshi. Tori, le partenaire actif, tire uke, le partenaire passif, vers l'avant en descendant sur un genou. L'apprentissage d'un kata réside dans la nécessité de comprendre le principe qui sous-tend la technique. En uki-otoshi, vous pouvez faire un pas en avant lorsque votre partenaire recule, puis vous le retirez en avant en le faisant basculer sur votre flanc. Lorsque votre main agrippe le milieu de la manche de votre partenaire, vous pouvez le déséquilibrer en poussant sur son coude. Vous esquivez le osotogari de votre partenaire en retirant votre jambe vers l'arrière, vous pivotez sur le côté et vous projetez. Ceci est également un uki-otoshi. Sumi-otoshi. Sumi-otoshi. Sumi-otoshi est une technique de projection dans laquelle vous déséquilibrez votre partenaire sur le côté et vers l'arrière. Puis, vous le projetez en le poussant brusquement vers le sol. De votre main droite, vous tirez le partenaire en lui agrippant le côté gauche du col. Vous le déséquilibrez en l'obligeant à décoller son pied gauche, tout son poids reposant sur son pied droit. Dans cette autre éventualité, vous lâchez votre prise sur le col pour la prendre au milieu de la manche afin d'exercer une traction sur le coude, le but étant toujours de déséquilibrer le partenaire. Sumi-otoshi et uki-otoshi forment une paire de techniques similaires dont nous allons maintenant examiner les différences. En sumi-otoshi, vous poussez et projetez votre partenaire vers l'arrière. En uki-otoshi, vous tirez et projetez votre partenaire vers l'avant. Le principe est identique. La différence se situe dans la direction du déséquilibre et de la projection. Sumi-otoshi était l'une des techniques favorites du 10e dam Kyudzo Mifune. Portez votre attention sur le principe fondamental de la technique. Forcez le partenaire à avancer son pied droit, puis le projeter ensuite vers l'arrière. Sukui Nage. Pour placer Sukui Nage, vous poussez d'abord le partenaire vers l'arrière pour le déséquilibrer, puis vous le soulevez et le projetez vers l'arrière. Cette technique n'est plus utilisée en compétition. L'application fréquente de Sukui Nage consiste à placer la main sous la jambe du partenaire, puis de le soulever. Lorsque le partenaire place un araigoshi, vous retirez votre pied vers l'arrière, vous placez votre main derrière lui pour le soulever, puis vous projetez. De même, quand le partenaire avance pour placer un osotogari, vous placez votre main derrière lui et vous le projetez. Again,
Ainsi, sur une attaque en Uchimata, vous absorbez le mouvement du partenaire et le transformez en Sukuinage à votre avantage. Selon les circonstances, vous pouvez utiliser vos hanches pour soulever le partenaire. Une autre opportunité de le décoller du sol se trouve lorsqu'il tente de placer un hanegoshi, vous le projetez en balayant sa jambe d'appui. Cette fois, le partenaire est soulevé par une saisie frontale. Lorsqu'il tente de placer un osotogari, retirez votre pied vers l'arrière, puis agrippez le partenaire sur l'avant pour le soulever. À la finale 1978 des championnats du Japon, Sumio Endo remporta la victoire sur Takefumi Ueguchi en plaçant un imparable Sukuinage. Au championnat universitaire de Kobe, le coréen Yoon place un Sukuinage. Obi Otoshi. Obi Otoshi est une technique proche de Sokoi Nage, issue directement du jujitsu traditionnel. Agrippez par l'avant la ceinture de votre partenaire, poussez-le brusquement en arrière pour lui faire perdre l'équilibre, soulevez-le sur le côté pour le projeter vers l'arrière. Obi Otoshi est une technique rarement employée dans les compétitions modernes, mais elle fait toujours partie de l'enseignement des exercices libres du Kodokan. Morote Gari. Morote Gari est au contraire une technique couramment utilisée en compétition. Elle peut être amorcée en diverses circonstances. Dans ce cas, vous attrapez votre partenaire au moment de la prise de garde. Ici, vous tirez brusquement le partenaire vers l'avant. Amorcée en Seoinage, l'attaque est poursuivie en Morotegari. Pour contrer votre Seoinage, le partenaire reporte vers l'arrière le poids de son corps. Si vous réagissez dans l'instant, vous pouvez placer Morotegari sans difficulté. À la suite d'un Seoinage, vous pouvez effectuer une rotation complète et appliquer Morotegari. Autre application de Morotegari, où vous pouvez faire basculer le partenaire en lui saisissant un pied à deux mains. Un Morotegari appliqué par le coréen Kim Jae-in. Kushiki Daoshi. Dans cette technique, souvent usitée en compétition, vous agrippez une jambe du partenaire, puis vous le poussez vers l'arrière. Vous poussez le partenaire après lui avoir soulevé la jambe, la prise pouvant s'effectuer à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous pouvez utiliser Kushiki Daoshi en attaque directe ou en enchaînement ou en contre
sur une action de votre partenaire. Ici, vous attaquez en Seoinage et profitez du report d'équilibre vers l'arrière du partenaire en lui agrippant l'intérieur de la jambe. Là, nous voyons une technique d'enchaînement à partir d'une attaque en Kata Guruma. Le partenaire attaque en Osotogari. Vous le contrez en pivotant sur le côté et en lui agrippant la jambe pour le faire chuter. Dans ce cas, la projection est appliquée sur une prise extérieure de la jambe. Vous attaquez en Kouchigari, le partenaire contre en soulevant le pied visé, vous agrippez la jambe par l'extérieur avant qu'il ait eu le temps de reposer le pied. Kuchiki Daoshi en suivi de Ouchigari. Le principe est identique. Il faut attraper la jambe lorsqu'elle se soulève pour éviter l'attaque. Observez attentivement le mouvement de la main droite. Ceci n'est pas Seoinage, mais Kuchiki Daoshi. Suivi sur un Seoinage, vous placez l'attaque de la main droite sur l'extérieur de la jambe. Contre en Kuchiki Daoshi d'une attaque en Isa Guruma avec une saisie du pied. Kuchiki Daoshi. Kibis Gaeshi. Kibizu Gaeshi. Kibizu Gaeshi est une technique de projection basée sur la saisie du talon de votre partenaire. Kibizu Gaeshi s'exécute de deux façons, soit en agrippant l'intérieur, soit en agrippant l'extérieur du talon. Attaquez tout d'abord en Seoinage, vous pivotez pour revenir face au partenaire et poursuivez en Kibizu Gaeshi. Vous attrapez l'extérieur du talon de votre partenaire lors de son attaque, puis vous le déséquilibrez en poussant de votre main gauche. Voici un autre cas de saisie du talon par l'extérieur. Contre en Kibizu Gaeshi à partir d'une attaque en Kouchigari. Application de cette technique à partir d'une attaque de votre partenaire en Isa Guruma. Examinons maintenant la différence entre Kuchiki Daoshi et Kibizu Gaeshi. En Kuchiki Daoshi, vous projetez le partenaire après la saisie de sa jambe
En Kibizu Gaeshi, vous saisissez le talon du partenaire pour le faire basculer vers l'arrière. Go-Uchi-Gaeshi. Go-Uchi-Gaeshi, vous esquivez le Go-Uchi-Gari du partenaire en le faisant basculer vers la droite ou vers la gauche. Premier contre sur la gauche. Second contre sur la droite. Observez attentivement comment esquiver l'attaque et forcer le déséquilibre du partenaire. Application du contre en balayage à partir d'une attaque en Daishi Arai. Voici l'application sur Itza Guruma. Le Ko Uchigari du partenaire se change en Itza Guruma. Ko Uchigaeshi est répertorié dans les techniques de main et non dans les techniques de pied. Uchimata Sukashi. Quand votre partenaire attaque en Uchimata, vous faites glisser votre pied droit vers l'arrière et vous pivotez. Votre partenaire a perdu sa cible. Emporté par son élan, il bascule dans l'espace que vous avez libéré. Selon les circonstances, vous pouvez décoller un de vos pieds pour mieux éviter l'attaque. Ceci est également une application de Uchimata Sukashi. Uchimata Sukashi, exécuté par Katsuhiko Kashiwaki, champion du monde en 1981. Yama Arashi. Yama Arashi est appliqué par la prise du col et de la manche du partenaire sur le même côté. Il est soulevé comme pour Araigoshi, puis projeté par une poussée des hanches. Tandis que vous soulevez le partenaire par traction du bras droit, votre pied droit balaye son point d'appui.